Continuer le travail du développement de notre province selon la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, sans vous laisser distraire par les ennemis de la paix et du bien-être du Haut-Katanga. Ce sont là, entre autres, les quelques mots que les jeunes Saint-Pia ont adressés au gouverneur de province tout au long de cette rencontre. Ils ont exprimé en face leur soutien et encouragement à Jacques Kaboulakato, gouverneur de province en fonction, contrairement aux rumeurs distillées sur les réseaux sociaux. Après tout ce qui s'est passé dans les réseaux sociaux, l'association socioculturelle Saint-Pia est venue les féliciter, les remercier de son retour, compte tenu de tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Il est rentré comme gouverneur de province du Haut-Katanga par rapport à tout ce qui se disait. Les jeunes Saint-Pia en ont profité pour faire passer le message de la paix et du vivre ensemble dans le respect mutuel entre Haut-Katangais. Nous devons lancer un message de paix. L'association socioculturelle Saint-Pia est apolitique, mais nous sommes au centre de la politique. Nous avons nos valeureux et dignes fils Haut-Katangais qui exercent les fonctions. Nous demandons qu'on les respecte, comme on respecte les autres autorités dans leur espace respectif. Pourquoi il n'y a que dans les Haut-Katanga qu'il y a des problèmes? Pourquoi on ne respecte pas que les Haut-Katangais? C'est ça, ça a été notre indignation. Et nous lançons un appel, on doit respecter les Haut-Katangais. Notre hospitalité n'est pas un signe de faiblesse. Jacques Kaboulakato les a invités à plus de concentration sur le travail et à privilégier toutes les valeurs qui cadrent avec le développement du Haut-Katanga.